vraiment, quoi. Hein? Oh! Oh! Qui c'est qui vole dans les bagnoles? Hein? Qui c'est? C'est moi? Non. Alors la ferme! Alors, l'adresse des parents, les aveux, et comme ça, vous la fermez. Monsieur Morion. Bonjour. Bonsoir, madame. Stevens. Lillian Stevens. Ce n'est pourtant pas si vieux que ça. Ah, oui, d'accord. Et après, vous désirez? Des nouvelles de mon enfant. Il est 2 heures du matin, on est crevé. En plus, vous avez vu, on a de la visite. Ça vous intéresse vraiment des petits voleurs de haute radio? Ah, ben, ça intéresse ceux qu'on a volés. Vous avez mieux à faire. Retrouver mon fils, par exemple. Faites-nous confiance. Faites comme les parents des autres mômes disparus dans la région. Ils sont pas tout le temps suspendus à notre sonnette. Mais moi, j'ai une piste. La petite voiture, là. La blanche ou grise. Ah oui, un petit peu ancienne. On n'oublie rien. On la retrouvera un de ces jours. Un de ces jours? Quand? Vous dormez pendant la journée, puisque la nuit, vous courez après des petits voleurs. On met de l'ordre dans cette ville, madame. De toute façon, on manque d'effectifs. Bonsoir. On ne passe pas, madame. Morion, j'attends une réponse. Votre plainte suit son cours. Bon, écoutez-moi. On sait où vous habitez. Hein? Alors vous allez rentrer chez vous et on vous appellera. Vous vous foutez de moi? On les arrêtera quand ils nous demanderont une rançon. Une rançon? Mais je suis pas riche. Ces gens s'intéressent pas à l'argent, vous le savez très bien, je jure. Si vous ne me rendez pas mon enfant, je vais vous tuer pour votre indifférence. Mon Dieu. Menace de mort ici, chez moi? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Lâchez ce flingue, nom de Dieu! Je n'existe plus, inspecteur. Principal. Inspecteur principal. Je suis vidée de mon cœur, de mon sang. Je n'ai plus ni à manger ni à dormir. Pour la dernière fois. N'oubliez pas mon enfant. Dans combien de temps? 2 heures environ. On avait dit 20 000 francs par tête. Il m'en faudrait encore 2, et seulement des blonds. Le 10 à la même heure. On vous joindra le jour avant comme d'habitude. Je crois que ce sera pas possible. Et pourquoi, je vous prie? Avec ma femme, on préfère se faire oublier. Oh, puis il y a trop d'articles dans les journaux. Et puis...
Non, il y a des groupes qui se forment. Ah, c'est pas grave. Ils cherchent à se rassurer. Vous en avez pas assez avec ces gosses? J'ai un contrat. Et je dois traverser la mer pour livrer un compte exact. Et il en manque deux. Non, je vous le répète, on a l'angoisse. L'angoisse est une chose bien triste, monsieur Gaspard. Quand on a demandé ton nom à l'entrée. À cause de Wittgenstein. Des fois, je leur lis des passages. Ils ont de la patience avec toi. Il avait une sale blessure. Il nous fait encore un peu de fièvre. Pas étonnant, la lampe était sale. J'ai personne chez moi pour faire le ménage. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on se casse une lampe de chevet tout seul sur la tête en dormant. Ah, la vérité est souvent difficile à croire. Le mieux, c'est de croire ce qu'on voit. Pour dire vrai, Zoltan et moi, on a rendez-vous. Oui, c'est important. Une grosse affaire. Et son père, c'est pas important? Ça devrait l'être. Si tu marchais pas sur la tête. Et puis arrange-toi pour ne pas me le dévier. Avec de grandes phrases inutiles. Allez, à tout à l'heure. J'ai peur que grand-père se fasse avoir par les autres. Sur le port. Quels autres? Ceux qui achètent nos boulons. Mais nous... On les a pas encore achetés, hein? C'est compliqué. Ah, oui. Ça, j'en doute pas. Tiens, écoute ce que dit Wittgenstein là-dessus. Ce dont on peut pas parler, il faut le taire. Bon, allez. Dégage. Ben, rejoins le vieux sur le port. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit journal? Première et dernière édition? Pardon. J'ai vu un enfant blond. Il courait et j'ai cru... Lui, là? Mais c'est mon fils. Il court tout le temps. Ça va pas? Vous vous sentez pas bien? Venez voir rentrer. Je l'avais vu à travers la porte. Il est si blond. Il m'a semblé que... Je me suis encore trompée. Vous êtes blessée? Non, pas vraiment. Il y avait une voiture qui a explosé. Puis je m'en rappelle plus. On m'a ramassée là. On peut dire que vous avez encore une sacrée chance. Lisez, ça vous changera les idées. Je vais vous chercher un journal. Vous n'avez pas autre chose? Voilà. Wittgenstein. J'ai trouvé dans un grenier avec tout un lot de bouquins policiers. Avec son nom-là, je croyais que c'était un gitan lui aussi, mais non. C'est un Autrichien, c'est un philosophe. Bon, je vous le prête, mais il faudra me le rendre, hein. Le monde est indépendant de ma volonté. Bah, où elle est? Elle est partie. Elle est partie? Quittez l'hôpital, si vous préférez. Mais ils m'ont libre.
Lionel, je te cherche. Je vais te trouver. C'est Zoé! C'est Zoé! C'est papa! Ça y est, une tonne de boulons. Le pépé est parti chercher. On les a. J'y vais. T'as pas un bal? C'est pour une glace chantilly. Et puis encore 20 balles pour la glace chantilly du grand-père. Où est la langue, ça va vous foutre à la colique. Hop. Allez. Et ramenez pas vos boulons ici, c'est pas une décharge. Et rentre pas tard. Toi, si t'étais marié, fini la bronzette intégrale. Alors, gitan. Bonjour, monsieur Paulet. Visite à domicile. C'est nouveau, ça. Un gitan intello, ça vaut le déplacement. Ouais. Avec mon bac, j'aurais même pu entrer dans la police. Il a déjà assez de misère. Ça va mieux? On a failli me trépaner. Un cauchemar. Oh, un cauchemar pour toi, c'est quand tu rêves que tu travailles. Je rêve que d'un monde meilleur. Tant pis pour toi. T'aurais pas plutôt une petite bière? Ah, pas d'alcool dans ma nouvelle vie. Ouais. Tiens, à propos de nouvelle vie, je t'annonce un contrôle judiciaire. Tous les 15 jours. Qu'est-ce que tu deviens? Ton emploi du temps détaillé? Si t'as trouvé du travail ou non? C'est oui. Miracle. Et tu bosses pour qui? Un inconscient? Un philanthrope? Plutôt à hors-la-loi. Métropole Assurance. Ça vous va? Pigre. Et qu'est-ce que tu fais? Je démarche. C'est formidable. C'est formidable. On veillera bien sûr à contrôler tout ça aux petits oignons. La confiance règne? Jamais dans le mental d'un flic. On ne dérange pas ses amis qui en dérangeraient. Pourvu que tu ne viennes pas me parler de l'avenir des Colombiens dans les prochains Tours de France. Ah, je pourrais. T'as écrit des conneries là-dessus. Mais je viens pas pour tes rubriques sportives. Il y a deux ou trois jours, il y a une bagnole qui a explosé dans le coin. Tu te souviens? Tu sais, moi, la violence. Écoute, chérie, t'as beau être pédé comme un loulou de Poméranie, t'as quand même une mémoire. Mon journal a une mémoire. Vas-y, pioche là-dessous. Et avec ça, un petit blanc sec. Ah oui, toi tu sais vivre. Voilà. Tout y est. C'est Camille Blanche, appartenant à un certain Caspar Jérôme. Et elle, celle qui m'a piqué mon bouquin, elle s'appelle Lillian Stevens. Elle habite Barème. Barème, c'est à au moins 150 bornes d'ici. Environ. Il y a une course de côte dans le coin. Merde, écoute ça. Cette femme est à la recherche de son fils Lionel, disparu, enlevé, depuis plus d'une semaine. Il y en a déjà plusieurs.
Tu lis pas les journaux? Tu regardes pas la télé? Ah non, je vais te dire, j'ai surtout palpé mon crâne. Et ça occupe, je te jure. Ah oui, je comprends tout maintenant. Marco! On peut monter, Marco! Oui! Marco, mes respects. T'as compris? D'ici à moi, ils auront l'impression d'avoir toujours vu dehors. Le genre humain est né d'une habitude. Comme dirait Wittgenstein, qui n'avait pas de problème, lui, avec le permis de construire. Tiens, tu veux du pétrus? Ça vient de Hollande. Non, non, merci. Ton dernier verre m'a transformé les boyaux en pistes cyclables. Les flics t'ont rendu fragile? Non, même pas. Ils sont cool. Je dois leur montrer pas de blanche encore de moi, et puis ça ira. Tu sais, quand t'es tombé tout seul, j'ai... Enfin, je veux dire... Tu l'as dit. On s'en est quand même bien tiré, hein? Ouais. Toi, surtout. Attention, j'étais réglo. J'ai payé l'avocat. Arrête! Je suis pas venu pour parler de ça. J'ai besoin d'une voiture. T'as quelque chose? Attends. Un vrai bijou. J'ai gonflé le menteur. Super en règle, j'espère. Je suis en règle au code pénal. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'un type comme ça fait avec un tel livre? Il est moins beau que Lionel, et peut-être plus vif. Lionel a les cils plus longs. Ils n'aiment pas les sucreries. Avec quoi ils ont bien pu l'attirer? Est-ce que vous savez où habite Lillian Stevens? Derrière vous. Mais elle n'est pas là. Elle a bien quelqu'un? Un mari? Vous êtes journaliste? Non, non, même pas. Je l'ai rencontrée à l'hôpital. Elle a un bouquin à moi. J'y tiens, j'ai fait 200 bandes pour lui. On ne l'a pas revue ici depuis 2 semaines. Un drame terrible. Elle vivait seule avec le gosse et il a disparu. Enlevé. Il était parti avec une sortie d'école pour visiter la vieille ville de Montpellier. Ouais. Mais je savais plus ou moins. On dit qu'elle le cherche sur la côte. Une femme formidable. On la regrette dans la région. Elle y faisait quoi? Infirmière à domicile. Elle est pas d'ici? Non. Venue d'ailleurs. On ne sait où. Moi, je viens de Paris. J'étais prof. Enfer. Ici, c'est le purgatoire. Ils font du mouton, comme s'ils entretenaient une danseuse. Ah!
C'est la chambre d'amis. T'as vu qu'elle a raccordé. Tu vois, nous, on t'aime. C'est provisoire. J'ai un acquéreur. Qui sortirait d'un asile. Devel, sur le port. C'est pour du lest à bateau. Et vous avez vraiment acheté ça? Je veux dire, payé? Cash. J'ai seulement un peu apprivoisé la balance. Bon. Je vous donne trois jours. Trois jours pour virer ça du secteur. Sinon, t'apprivoiseras aussi les flics quand ils viendront nous faire des emmerdes avec ça. T'as compris? Je ne pas. Ce soir, on a du bon monde. Nous avions le nez dans la crème chantilly lorsque nous avons aperçu cette table. Tu sais que je me lis facilement. Zoltan lui plaisait, il plaît d'ailleurs à tout le monde, et j'ai senti qu'elle avait besoin de partager le repas d'une famille, j'insiste, très unie. Voilà, lui, c'est mon fils, le père de Zoltan. Je voulais juste vous serrer la main. J'aime bien ce philosophe. J'ai pas tout compris, mais c'est beau. C'est raté. Ils se connaissaient déjà. Tiens-toi droit. Laisse-le tranquille. Allô, Sto, pour une petite coupure à la tête. C'est pas un homme de chez nous. Ce soir, pas de dispute, hein. D'abord, le secret a dit. C'est pas vrai. Imbécile, je crois bien que c'est toi qui rigole. Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Rien et tout. J'ai un ami qui me coupe socialement, pour le reste, ce sont des petits boulots. À la frontière de la légalité. Derrière cette frontière, il y a la police. J'ai eu quelques petits ennuis. Et ton prochain boulot, c'est quoi? C'est pas un boulot. Parce qu'il n'y a pas de fric en jeu. Je vais essayer de vous aider. Pourquoi? Parce que vous êtes là, si étonnante. Aussi parce que tu as lu Wittgenstein. T'es sûr? Tu vas avoir rien de retour. Si, j'aurai du temps passé. D'autres gens ont essayé. J'ai même vu une association. L'échec. Rien à faire. Et les flics? Les flics? C'est des fonctionnaires. Ils sont lents. Pour mon fils, chaque minute compte. Les flics. Ils
pensent que je suis folle. Et pourtant, moi toute seule, j'ai remonté une sérieuse piste. Vraiment ? J'avais retrouvé la Simca blanche. Celle qui était vue près de l'enlèvement. La femme qui était dedans, Simone Gaspard, elle est morte. Et son mari, Jérôme, disparu. Tout ça, c'est dans les journaux. Mais il s'agit peut-être de la guerre des gangs ou un crime passionnel. Avant que la voiture explose, j'ai vu une jeune femme parler à Simone Gaspard. Et puis, elle est partie dans une Golf noire. Mais j'ai pris le numéro. Tu me crois pas? Si, si. Au contraire. À la préfecture, ils ont un fichier des cartes grises. Ils ont le nom et l'adresse des propriétaires des voitures, avec le numéro d'immatriculation. Mais personne n'a le droit de regarder dedans, sauf la police. Avec leur enquête de routine, elle va s'enfuir. Il n'y a pas de preuve contre elle. Je connais quelqu'un. Il va nous trouver le nom et l'adresse de cette bonne femme. Demain. Demain. C'est vrai. Merci. 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 Oh, merci. M'aider à les transporter? Jamais. Je veux pas y toucher. Tu sais, Zoï, tes paroles sont plus tranchantes que du silex, plus cruelles que les serres d'un aigle. Le Christ, trahi par ses apôtres. Coupé! Et virez-moi ce cabot qui a dépassé l'âge du rôle. Hey, Zoï, n'oublie pas de mettre une fenêtre. Il y en a même dans les eaux. Café, lait. On a que des tubes. Quelle heure est-il? Il y a du soleil! C'est ma mère. Elle est très belle. Elle vient te voir de temps en temps? Zoé dit qu'elle ne reviendra jamais. Et grand-père dit qu'on la déteste. Tu vas à l'école? Je sais lire, compter, écrire et regarder les gens dans les yeux. Le reste... Grand-père dit que ça ne servira à rien. Une chouette. Alors elle voit que la nuit? C'est ça, le jour elle est aveugle. C'est pour ça qu'elle est tombée. Faudrait attendre ce soir pour la relâcher.
Seulement, moi, je peux pas, je pars en vacances, là. Je prends l'avion dans 2 heures. Tu pourrais la prendre chez toi pour la relâcher ce soir? Oui, madame, je le ferai. Vraiment, je peux te faire confiance? Oui, oui. On prendra bien soin? Oui. T'habites où? Là-bas, dans la cité. Tiens, prends-la. Et puis, je te raccompagne. Faudrait pas qu'elle s'envole. Hein? Parle. Ça ne vous intéresse pas. Madame. Vous n'avez pas d'enfant. Peut-être vous n'aimez pas les enfants. Peut-être vous préférez qu'on vous parle de vos petites retraites. De vos livrets d'épargne. C'est ça? C'est mon enfant. Il faudrait le reconnaître. M'appeler. Je ne demande qu'un regard sur mon enfant. Je vous en prie, madame, veuillez sortir. Nous sommes dans un bureau de poste ici. Pas dans un meeting. Ça vous gêne que je demande de l'aide? Vous n'avez plus de regard. Vous n'êtes que des ventres. Vous êtes des porcs! Mais soyez polis! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez la merde! Lâchez! Mais comprenez! Comprenez, c'est de la compréhension! Tiens, tu les changeras pas! Salaud! Ça sert à rien, tu sais. Tu les changeras pas. Faut que j'aille à l'hôtel voir s'il y a des messages. Allez, fini pour celle-là. On mettra du ciment dessus. Tu vois, tout est là. C'est votre seul bateau? Non. Bon, vous laissez les fûts là, demain j'en laisserai 2 autres. Hein. Mais le plus beau, celui du voisin, le type a disparu en mer. Alors j'ai acheté ce coque. Hein. Bon, vous avez plus besoin de moi. Et nous, on a un rendez-vous. Tu viens, c'est l'heure. Attends, cet homme... Il sait quelque chose. Je suis certaine qu'il sait quelque chose. Moi? C'est de moi que le cause? Oui. Qui a disparu? Comment? J'en sais pas plus que les journaux, moi. Il s'appelait Caspar. Mais pour moi, il a coulé, hein, car on n'a jamais rien retrouvé. Ni lui, ni sa barcasse. Parlez encore. Parlez-moi de lui, s'il vous plaît. Un drôle de type, le Jérôme. Et vous le connaissiez sans doute mieux que moi. Est-ce qu'il pêchait vraiment? Est-ce que vous pêchiez ensemble? Non, ça je dois dire que non. Quand est-ce qu'il a disparu? Ben le 10. Mais c'est ça, le 10 ça fera la semaine. Et il sortait qu'une fois par semaine à la nuit. Même que c'est moi qui lui amenais le gasoil pour son moteur. Est-ce que vous avez raconté tout ça à la police? À la police? Et pourquoi j'aurais raconté ça à la police? Ah, vous savez, ces gens-là, quand on peut les éviter, hein? Est-ce qu'il venait avec une vieille voiture blanche? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Comment elle le sait, ça, elle? Qu'est-ce qui est chargé de la voiture? Rien. Ah, moi, je lui ai jamais rien vu décharger, hein. Et c'est vrai, il attendait que je parte pour prendre la mer. Alors, j'avais raison. Mon Dieu, j'avais raison. Merci. Merci vraiment beaucoup. Viens, faut y aller. Toujours après quelque chose. Dis, si on faisait les comptes... Oh, toi, à mon âge, je t'aurai un yacht, hein. Et même beaucoup plus. Bon, vous savez ce que c'est, l'administration. Si on prend le circuit officiel, ça va durer 15 jours. La plainte, les retrouvailles, tout le cirque. Ma cliente est pressée. Si vous nous dites à qui appartient cette tire, nous, on peut faire dans l'amiable. Et tu deviens le héros de ta compagnie d'assurance. Voilà, gagné.
Vous aidez un délinquant à s'insérer. Je vois que t'as pas de secret pour la dame. Ni pour la dame, ni pour vous, ni pour personne. Et dans s'insérer, il y a sincère. Arrête, tu vas me faire péter la rate. C'est toujours aussi gai dans la police? Non, pas tout, chère madame. Seulement les flics ratés. Pas de stress, rapport au tableau d'avancement. Il n'empêche que je ne crois pas un mot de cette histoire de chauffard qui s'enfuit après un accrochage et dont vous avez relevé le numéro. Que croyez-vous alors? À autre chose. Que je ne connais pas. Mais j'ai choisi de faire dans le social. Et puis, c'est pas tous les jours qu'un Romano me fait rigoler comme ça. Eh bien, puisqu'on parle social, tu vas me faire le plaisir d'empêcher ton gosse de traîner comme je l'ai vu faire. Ben, il traîne pas, le piston. Il est de son grand-père. Tu parles d'une école. Ce que je t'en dis, si c'est à cause de ces enlèvements d'enfants, ces derniers jours, tous ces blondinés. Tiens, enfin, pourquoi il est si blond, le tien? Ta mère était blonde. Norvégienne. Était? Oui, elle a mal supporté la tribu. Alors elle est retournée dans ses fjords. Et on a gardé le petit. Voilà. Fais gaffe quand même. C'est un trafic d'enfants. Ils enlèvent des gosses pour les vendre à des fumiers qui les exploitent quelque part dans un bordel. Où ça? D'après vous? Eh, où on aime les blonds? Oh, mais ce que je dis là, c'est... C'est seulement l'idée d'un vieux flic ringard. Dans le temps, ce que j'avais de mieux, c'était mon gauche. Mais j'ai pris trop de coups. Passons en fin d'après-midi, j'aurai votre tuyau. Et vous croyez surtout pas obligé de dire merci. Non, pas toi, gitan. Toi, tu restes. Tu me dois une vérification sur ton boulot. On va aller voir ton patron. Mais madame ta cliente peut disposer. On se retrouve pas. Bien, madame. Le charme progressif. Couillon, va. Si tu me disais pourquoi elle te demande de loger cette voiture. Je vous jure, c'est pour ma compagnie. Le patron vous confirmera. Si je voulais appeler, moi. La préfecture pour cette bagnole. Oh, madame Mattei, si j'avais 30 ans de plus, quelle folie ne ferais-je? Je suis innocent. Stéphane Arlette, c'est vous? Je peux le redemander à ma mère. Vous déclarez sur l'honneur que vous employez bien Zoïd Verstein ici présent? Absolument. Attention, hein, pas de complaisance. On va nous fournir des preuves. Feuille de paye, sécu et tout le tremblement. Parfaitement, Métropole Assurance fournit 24 heures sur 24. Vous avez une assurance retraite? Parce que dans la police, à 65 balais, ils vont vous larguer vite fait bien fait, avec trois salades, une rangée de tomates devant un pavillon de banlieue préfabriqué. Avant la fin de la semaine, vous enverrez un certificat aux autorités judiciaires, compris? Et si vous preniez une deuxième assurance vie un peu plus confort? Vous êtes marié? Je suis le naïf aux 40 enfants, et il y a un maximum de menteurs dans le tas. Pareil, vous recherchez le propriétaire d'une Golf noire pour un arrangement à l'amiable? Ah, mais parfaitement, oui, le coup classique, on se tamponne, boum, et on s'enfuit. Et vous m'excusez, un yacht m'attend, des grossiums, leurs marmailles, bijoux, perroquets d'époque, cuisiniers chinois, radars et tout y quanti. Je vais te leur coller une assurance touriste que s'ils coulent, la métropole assurance coulera avec. Inspecteur. Alors, monsieur Wittgenstein, vous venez ou merde? Je ne vais pas vous payer pour faire pousser des petits bouts de liège dans le canal. Monsieur Pellet, PSP, je travaille avant tout. Eh, ça va, travail. Pour une fois. Tu me diras ça tout à l'heure en venant chercher cette adresse. J'ai trouvé aussi belle que je m'y suis baigné. Dis-toi, au sujet de Gaspard. Oh, la jolie dame. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. À la vôtre, madame.
T'as vu? Ça pousse. Vite, je te loue une bagnole. Celle-là? Non. Cache? Évidemment. Ma compagnie te couvre. Toi, dès que tu couvres, on grelotte. Dis donc, puis ma Mercedes. Où est-ce qu'elle est passée, ma Mercedes? Tu la trouveras dans la rue du commissariat Paulet. Et restez ensemble, que je puisse vous trouver facilement. Je peux compter que sur vous deux. Tu peux compter sur deux types. Ça fait déjà deux de plus que tout le monde. Anna Calès, 18 rue du Cormoran-Bouzic. C'est bien toujours. Et me remercie pas, surtout. Merci. Et le boulot? Vous avez drôlement fait vite pour signer avec les milliardaires. C'était juste une première prise de contact. Espérons que la deuxième ne se passera pas la nuit en leur absence. Pas d'ajout, inspecteur. Te laisser là tout seul avec tout ce qui se passe. Et toi, tu m'aimes bien laissé? Impossible. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Petit con. Steve. Sa voiture, Steve. Quand même, hein, tu m'as frappé. Quand même. Tu as frappé le petit. D'accord. Allez bouffer des glaces. Aujourd'hui, tu nous auras pas. On est riche. Nous aussi, on est riche. On a l'adresse de la fille. Foutez-moi le camp! Une roulure, je vous dis. La dernière des putes. Mon nom dans la boue. Foutez-moi le camp! Espèce de radasse! L'adresse. S'il vous plaît. Je la connais pas, madame. Je sais pas. Je la connais pas, tu vois bien. Vous, madame? Elle n'osait plus venir ici. Mais dans sa dernière lettre, il y avait un numéro de téléphone. Je devais l'appeler un jour et à une heure précise. Elle n'y était pas. C'était le numéro du bureau de poste. Merci, madame. Elle est folle ou quoi? Pourrait le devenir, on lui a volé son gosse. Alors, tu continues à avoir des nouvelles de cette saloperie? Ce n'est qu'un mauvais passage, allez bien. On nous signale la disparition d'un enfant d'une dizaine d'années entre le bord de mer et son lieu de résidence, la cité de l'île de Thau, dans la banlieue de Sète. Il y a maintenant plusieurs heures que l'enfant blond est attendu par sa famille, angoissée par les récents enlèvements. La police enquête, des barrages sont déjà mis en place. Et maintenant, une page de publicité. Encore. Encore. Et on sait rien. Personne ne sait rien. Il n'y a jamais rien. Il y a quelque chose. D'abord, t'es plus seul. Et une pute, ça se retrouve. Bien. Mes amis vont nous aider, tu verras.
asseyez-vous sur mon bureau. Ce qu'on t'a raconté tout à l'heure, c'était de la frime pour les autres filles. Oui, ben, j'avais compris. On veut voir une certaine Anna Calès. Range ta monnaie. Stéphane est un copain. Il m'a assuré tout risque d'où se palace. Anna Calès, attention, une salope, une venimeuse. Elle nous doit un petit renseignement. C'est pour la bonne cause. Oui, c'est une question de grandeur d'âme. Ça, mes chéris, c'est pas mon étage. Anna bosse plus, on la voit plus. C'est sûrement en accord avec son Mac. Et lui, on peut le trouver? Oh, un bizarre intordu. Ils vont bien ensemble. On n'est pas là pour les rééduquer. Alors? Bon, je peux toujours traîner dans deux, trois de ces ambiances pour aller glaner un tuyau. On t'accompagne, j'ai le béguin. J'ai jamais eu de chance. T'as pas vu Eric? Non. Tu entres? Non, non, pas ce soir. Que devienne la merveille. Tes chances diminuent. Elle s'approche d'un dieu couleur d'ébène. T'as vu le blafard traîner dans le coin? Non, et j'y tiens pas. Le haut de gamme sur un air de flûte. Tu peux encore changer. On doit pas avoir le même regard. Il paraît que tu me cherches, ma charmante. J'avais peut-être envie de bosser pour toi. Tu crois que c'est lui? Oui, je crois bien. Merde, il revient tout seul. Suis-le. Nous, on se regroupe à l'hôtel de Liliane. Tu nous appelles là-bas. Une fille me plaisait plus que mes bagnoles. Maintenant, racontez-moi pour Jenny. Mourir dans cette ruelle, c'est pas juste. Tout ça, c'est de ma faute. Non, c'est de notre faute. On a appelé l'hôpital pour qu'ils emmènent le corps. Allez, vas-y, c'est la première à droite. C'est la maison blanche, là. Vu la Golf Boa? Non, il avait une Ford. Et la femme, Anna Calès? Pas vu. Elle est sûrement dans la maison. Il y a peut-être des enfants aussi. Possible. Tout ça nous dépasse. Je vous l'ai déjà dit, il me semble.
Oui, et maintenant, il y a un tueur dans cette maison. On doit appeler la police. Personne ici n'est spécialiste dans la chasse aux tueurs. Il a raison. Jusqu'à présent, on a toujours travaillé dans la petite pointure. Là, c'est géant. Vous voulez me lâcher, alors? Dites-le. Moi, je manque de temps. La police, pour votre gosse, c'est la meilleure chance. Non. Il faut que je voie cette femme. Il faut que je la reconnaisse. Ils peuvent s'enfuir, nous tirer dessus. Je vais aller toute seule. S'ils vous voient, ils veulent se méfier. Laissez-moi! Yes? Une amie d'Ava. Je dois la prévenir de quelque chose. Entre. Tu serais pas un peu trop curieuse, toi aussi? Tu vas voir la voix de Lee Marvin. Je vais aller chercher la fille. Je voulais emmener ce petit. Se trouve le mien. Ils l'ont sûrement drogué. Le beau mec d'en bas, il va tout balancer. On le tient pour meurtre de génie. Génial. Après nous, on se tire de cette galère. Tu l'as tué. C'est pas vrai. Tu vois pour nous maintenant? Chiton, un cadavre, ça se payera plus cher qu'un petit casse. Qu'est-ce que vous voulez? Que je pleure sur la mort de ce salopard? Je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux? Que je me dénonce à la police pour te sortir de là? Tu la fermes maintenant. Tu la boucles. Nous, on t'a aidé au maximum. Tu veux pas encore en plus nous faire la leçon maintenant? La police et la justice, on le connaît, mieux que toi. Les gitans, on leur sert de cheptel depuis des siècles. Si je retrouve mon enfant, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. On t'a rien demandé. Et on te demandera jamais rien. Essaye de te fourrer ça dans le crâne. Bon, pour le corps, j'ai compris. Au fond de la mer. Mais on peut pas se mettre à séquestrer un enfant. Oui, mais moi, je vais attendre la femme. Si elle arrive pas dans la journée, on peut appeler la police. Tu joues avec l'attente des parents? On dirait jamais que t'attends, toi aussi. J'y vais. Là, la fille avec sa golf. Il y a les flics aussi. C'est ouvert. J'ai dû les laisser dans le tiroir de la cuisine. Je vais les chercher. Les voilà.
Vous risquez un retrait temporaire du permis de conduire pour ce feu rouge grillé. Vous croyez? Vous vivez toute seule dans cette maison? J'habite pas tout le temps ici. C'est en travaux. J'ai un ami qui est venu m'aider. Il dort là-haut. Au prochain feu vert. Seul avec l'enfant qui est là-haut. T'en sais un peu trop pour que tes employeurs te laissent vivre. Tandis que nous, on est des gentils. Tout le monde, ou presque tout le monde, a droit à une chance. Garde ton baratin de zonard pour ta pain beige, là. Tu me crois maintenant? Qu'est-ce que répondrait Wittgenstein dans un cas pareil? Le monde est tout ce qui arrive. Des enfants enlevés à la cité de l'île de Thau. Qui a bien pu téléphoner? Ça, c'est certainement des gens qui veulent pas avoir d'ennui. Bon. Maintenant, toi, tu fonces chez la famille du petit. Tu seras le premier. On t'attend chez toi. Vas-y. Laissez-moi quand même un lit. J'avais pas assuré sur la vie. Il a plongé. Belle tombe de marin. Un vrai malentendu. Et vous? Et le gosse? Dans sa famille. Dans les bras de sa mère. Et la vipère? Elle a causé? Pas encore. Je vais vous préparer ma spécialité, un force 8. Je tiens l'article. Des larmes de joie, hein? Et surtout la mère, c'est normal. Aucune trace des ravisseurs, aucune piste. Le gosse retrouvé par hasard qui se souvient de plus rien. Et là... Padaboum! Ça morfle l'avenir, je maintiens le suspense. Où sont les autres? Les autres? Laisse. C'est une histoire entre femmes. Un type fera un film sur tout ça que ça ne m'étonnerait pas. Et toi, l'assureur, tu crois que je pourrais toucher des droits sur un film tiré de mes articles? Je crois que surtout que tu planes. Merde, c'est chez moi. Mais merde, vous êtes quand même chez moi. Ouvrez. Mon Dieu, ouvrez. Ça devient quoi, là-dedans? Que c'est pour demain, Rosa. Oui. Au bar du Globe, rue Gambetta.
Ils appelleront. On a un code pour se parler. J'ai mal. J'ai mal, me fait tellement mal. Tu vois que c'est pas facile, vivre dans toute cette merde. Eric est mort. Toi, tu connais? Oui. Alors, tu viendras avec nous. Tu répondras au code. Tu seras gentil. Dis-nous que oui, tu seras gentil. Oui. Vous ne me ferez jamais plus ça, hein, plus jamais. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Un endroit en mer. Un chalutier. On doit leur amener l'enfant, peut-être deux, la nuit prochaine. Et Pécache? Oui, c'est leur dernière livraison. Après, ils doivent partir. Elle appelle ça une livraison. Alors tous les enfants sont encore sur le bateau? Oui, je crois. Sûrement. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ça brûle! Je vais pas mourir! Je connais un médecin très discret. Plus tard, si elle a dit la vérité, donnez-lui du coton. Fatigué? Elle a mangé un mec au hasard. Il n'y a plus de conscience. Qu'est-ce que vous allez faire de moi après? Ça va dépendre de toi. Et de la chance. Monsieur Eric, on demande Monsieur Eric au téléphone. C'est moi, Anna. Vous avez une question à me poser? En effet. Quel est votre film préféré? Jeux interdits. Très beau film. Vous avez pensé à un acteur ou deux pour jouer le rôle? À un seul. On en avait deux, mais on a eu un petit incident de parcours sans conséquence. Bon, vous me le présenterez comme convenu dans la nuit de demain. 5, 75, 22, plein sud. D'accord. À demain soir. Alors tu prétends qu'en termes de marine, 5, 75, 22, ça veut dire 5 nœuds pendant 75 minutes avec départ à 22 heures? Ben oui, le cap se prend sur la dernière balise. J'ai navigué un temps. J'ai même bossé aux soudures de vieilles coques. Avec ce spécialiste et un lieu précis, vous faites quoi? Vous avez un bateau? Ça peut se trouver. On peut le voler s'il faut. Oh, merci pour le conseil. Et merci d'avoir déménagé, j'avais plus de coton. Il n'y a plus besoin. Elle dort dans la voiture. On se connaît depuis l'école. Tire-toi de ce guépier. J'aurais jamais dû plonger dans les premiers articles. Un assureur, c'est ton métier de calculer le risque des autres. Parce que dans cette histoire, tu as bien calculé les tiens. Un jour, j'ai eu besoin de lui, et je l'ai trouvé. Et depuis, j'ai perdu ma machine à calculer. Monsieur Henri, est-ce que vous avez des enfants? Malin, facile. Prodigieusement con. Mais je vais vous y trouver jusqu'au bout de la connerie. Alors vous embarquez. Le chalutier vous accoste. Les mecs ne débutent pas dans leur job. Ils vous balancent un coup de projo pour éclairer la situation. On ne monte pas sur le pont. On doit présenter le gosse d'abord. Où est le gosse? Et toi, Marco, le petit génie? Toi qui construis ta façade avant ta cave. Tu sortiras tes vérins hydrauliques? Analyse inexacte. Moi, j'ai ça. Mon père l'a piqué un requin après le débarquement. Pour moi, ça. Adieu, les petits héros. Et toi, gitan, n'oublie pas une phrase de Wittgenstein que tu m'avais lue. Les bons livres, ça rend les idiots encore plus idiots. Arlette, tu y crois, toi, son histoire de projecteur pour détailler le gosse? Tu sais bien qu'il a raison. L'autre salope te l'a bien expliqué. Il faudra avertir la police. Elle donnerait l'assaut. Et les enfants? Ils vont faire du chantage. Ils peuvent les tuer. Il faut agir, nous. Ça, c'est pour le bateau. On est tombé sur une extraterrestre. Bon, écoutez,
Il reste une nuit et un jour. Moi, je vais me rafraîchir la tête dans ma tribu. Au fond, Marco, t'as jamais eu de chance. Toi et le gitan, vous auriez dû en prendre pour 5 ans avec votre petit casse. Aujourd'hui, vous seriez peinard dans une prison modèle. Non, mais qu'est-ce que tu crois, l'assureur? Que je vais me coller un bandeau sur l'œil, prendre un sabre et monter à l'abordage de ce chalutier de merde? De reprendre mon fils. C'est pas tout, Liliane. C'est pas tout. Je veux que tu me demandes tout. Il faut que Zoltan laisse l'enfant dans l'échange. C'est mon seul espoir. Ne m'inquiète pas, Liliane. Arrivé dans la nuit. Zoz et le grand-père sont partis très tôt ce matin et ils m'ont pas voulu m'emmener. Pourquoi tu me gâtes tout le temps comme ça? Parce que je sais plus poser mes yeux ailleurs. C'est d'accord. Il fera le plein de diesel. J'ai loué que pour la nuit, j'ai payé d'avance. Voilà la différence. Tu regardes pas? Tu veux pas savoir combien? Non, t'es mon père. Et toi, t'es le fils qui cache des choses. Bientôt, je te raconterai. Demain, je te raconterai tout. Seulement... Enfin, je veux dire que cette nuit, Zoltan doit monter sur ce bateau. Avec toi? Avec moi et des amis. T'es assez grand, Zoé. Après tout, c'est ton petit. C'est notre joie. Attends là, toi. J'ai failli attendre. Tu pouvais pas passer au bureau au lieu de jouer les mafiosi au téléphone? Garçon, un café double, très serré. Il peut pas être à la fois double et serré. T'as un problème qui dépasse la compétence d'un petit flic? Vous deviendrez un très grand flic. Vous m'avez aidé, je vous aide. Toujours ton histoire d'assurance et d'accident de voiture. Fin d'un trafic d'enfants. C'était dans votre idée. Vous aviez raison. Et vous, vous le bouclerez avec ce gang. Ah ouais. Et ils vont se présenter là, hein? Là, devant. Les mains en l'air. C'est pour cette nuit. Il y a l'heure et le lieu. Il n'y a pas de nom de rue. La police côtière comprendra. Et t'as trouvé ça comment? Dans tes polars? Je peux pas répondre, c'est... une question d'humanité. Oula! Mais attention! Monsieur décolle dans le sublime. Et tu crois que tu vas pouvoir jouer longtemps aux cow-boys et aux indiens? Fais gaffe, gitan. Moi, dans cette histoire, je suis toujours Buffalo Bill. Ils brûleront ta réserve!
Je me gênerai pas pour Violetta Squaw, tiens. Donc vous me croyez pas? Vous risquez rien de contrôler? Mais la hiérarchie, pauvre innocent, je ne suis même pas chargé de cette enquête. Je vous laisse le café. Disons que ma visite était strictement personnelle. Et oubliez-la. C'est du 12 pour la chasse à l'éléphant. On y sera dans 10 minutes. Tu vois quelque chose? S'ils allument rien, on va tomber dessus au dernier moment! On est à l'endroit exact. Je contrôle la dérive. Ça y est, des hublots. Là, des hublots à une centaine de mètres. Ils sont allumés. Sommeil, hein? Et pour le reste, tu ne me quittes pas. Alors c'est de la ruse? Ouais, t'as tout compris. Pas de problème? D'accord. On vient vous aider à le monter. Il dort qu'à moitié. Le gosse et les mains sur la tête. Enculé! Toi, passe derrière moi. Passe derrière, tu bouges pas. Enculé! Enculé! C'est bon! Vous pouvez monter! Enculé! Enculé! Allez! Les mains là-dessus. Les types sont cruels. Et nous? On n'est pas cruels, nous? Les enfants. Où sont les enfants? Où est mon fils? Je compte jusqu'à 5. Et venez! Il y a des enfants en bas! Zoltan! Zoltan! Là-haut.
père m'avait dit, si ça pète, tu fais le mort. T'es pas mort pour de vrai, hein. Des machines. Désarmez vos amis. Allez. Vous me le rendrez. Il vivra. Ce sera déjà pas mal. Jetez-les. J'ai 10 doigts dans mes deux mains. Et à 20 doigts dans 4 mains. Tu sais, maman, j'ai jamais eu peur. Je savais que tu viendrais. Hé, hey, je veux du bon travail, hein, pas de sommation. Eux, ça va, c'est les miens. On a failli avoir quelques petits problèmes. Oh non, jamais. Avec Métropole Assurance qui couvre 24 heures sur 24. Sorry. Je sais pas quoi dire. J'oublierai jamais. Pourtant, comme dit Wittgenstein, chaque jour est une vie nouvelle. Vous voyez qu'on finit par le faire, notre boulot. Qui c'est, cette femme? Une amie. Oh, connard de gitan! On ne doit pas t'amuser à crever, surtout, hein? N'oublie pas que tu dois un contrôle. Tous les 15 jours, pas? Feuille de paix, sécu, et tout le tralala. Pas un décor rigole, merde. Et me dis pas merci, surtout. Bon, allez, on ramène les deux rafios. On a encore 2 heures de route sur la mer. Allez. C'est fini. On va tout oublier. On va tout recommencer. Tu vas voir, mon chéri. On va habiter dans une grande maison blanche. Sur des grands arbres verts. C'est là où je suis née.
Oui. Pourquoi on est parti alors ?